19 mois depuis assassinat Jovenel Moïse et jusqu'à présent, nous toujours pas connaître qui mort, qui était touillé à l'empereur, partisan Jovenel. Il continue à exiger justice pour le président Jovenel Moïse. Et c'est dans ce sens-là, nous pourrons parler tout de suite, guerrier, à Stanley Lucas. Oui, Stanley Lucas, nous pourrons parler avec 19 mois depuis l'assassinat président Jovenel Moïse et partisan Lyo. Continuer à demander justice et pays Yanto qui lui-même souhaitait lumière faite sous Zaksa pour connaître qui est-ce qui était by l'ordre pour touiller président à la Kaili. Stanley Lucas, bonjour. Bonjour, et Dieu seul, et nous saluer madame Alexandre, nous saluer Johnny, à tout le panel ici, nous saluer toute équipe radio, et nous saluer tout auditeur, captain de nous, en dedans et dehors pays. Avant peut-être tout dire un bagaille, et nous voulons condoléances nous, à prier nous, by peuple pays la Turquie, des pays la Syrie, qui sont victimes d'un tremblement de terre, qui est plus gros, parce que ça nous était pendant 12 janvier, il y a près de 3500 personnes qui mourent. Donc, nous voyons prier, nous, à solidarité, nous, bayou, et peuple, famille syrien qui ont gagné en Haïti, si gagné là-dedans, qui a affecté par ça qui passé, à nous voyons condoléances, nous, bayou, et nous espérons que le ministère des Affaires étrangères prend toute disposition pour faire suivi et garantit que tout haïtien qui vit dans le pays de Turquie et joue une assistance qu'il a besoin. Moi, après assassinat président Jovenel Moïse, qui côté nous y est dans l'enquête là? Jeudi à 7 février 2023, il y a trois bagailles que nous avons commémorer. Le premier bagage que nous avons commémoré, c'est 37 années que nous avons bâti une démocratie, et qui côté démocratie ça a été. 7 février 2023, tu peux marquer tout, première année mandat, 59e président PIA, que le peuple a choisi dans l'élection, et première année mandat, 51e législature. Malheureusement, je vous dis, on a parlé de 19 mois et depuis que des assassins ont touillé le président Jovenel Moïse. 19 mois qui passent avec développement qui fait que permettent-nous de façon plus claire et s'ouvrir qui est-ce qui touille le président Jovenel Moïse. En général, guerrier, les bons crimes qui fait, les crimes ça, c'est contre nation que vous faites. Parce que les assassins rentrés, ils ont touillé le président pays. Son crime qui fait contre nation, hein, et parti l'histoire, ça, que nous pral écrit, ça avec sang, que nous pral écrit, sans président Jovenel Moïse, il va l'affecter toute génération future. Donc, première question qu'on pose, c'est à qui profite le crime? Motif crime, là. Qui est-ce qui profite de crime, là? Ou alors, ça clairement, pendant 19 mois qui sont passés, là. Léo Fintou, il y a le président Jovenel Moïse, ou regarder ton avocat Sojene qui a mis le ministre justice. Et Dimitri Vob qui mettait le justice. Pour qui mettait le ministre justice? Question qu'on doit poser tête pour qui ça? Vous mettez Ewol Morose, si on s'y employé Sojene, directeur général EDH. On est qui est campé en face de l'État, que l'État a un mandat de elle pour combler l'État qu'elle volait dans le courant et pour bien l'État qu'elle volait. Donc, l'organe ou poser deux questions, ça y est. À qui profite le crime? Les motifs du crime, non? Au niveau national, pendant 19 fois qui se passe, là, où est clairement qui est-ce qui a fait blocage dans l'enquête pour tuer le président? Le commissaire Bedford Claude écrit Digicel. Digicel, comme compagnie technique, on connaît, ou technologie qui est le GPS, qui permet tout, ouais. En dans machine computer la caillou qui l'a moun parler qui côté moun nan t'a parler à qui l'elle t'a parler moun ni t'a parler avec li à qui côté lié et combien temps yo parle commissaire Bedford Claude d'une découvrir que pendant yo t'a couillé le président le 7 juillet premier ministre qui l'a Ariel Henry te nan hôtel Montana li t'a parler à Félix Badiou Joseph qui nan Pelin 5 ans côté président arrêté.
Ils ont parlé deux fois. Dernière conversation a duré 7 minutes. Les Bedford Claude viennent découvrir l'information ça sur le rapport Digicel. Ils invitent le Premier ministre pour venir bailler, tant pis. Viennent avoir une explication sur ça. Au lieu de faire tant que le Premier ministre Joseph Jout, qui te répond devant la justice, monsieur courir évoquer le commissaire gouvernement. Nous venons de voir qui est-ce qui est dans le crime. Donc pendant 19 mois qui sont passés là, nous sommes au niveau national, clairement, aux ligas qui impliquent dans tous les présidents, les Dimitri Vob, les Jean-Marie Vob, les Reginald Boulos, qui étaient en Washington, avant tous les présidents, qui étaient en planifié pour installer, pour mettre un président provisoire. Bien des nègres, nous pouvons connaître dans les ligas, par exemple, un oligarque de Boudon qui participait dans tous les rues Jean-Baptiste, comme si c'était doué l'État, le président Jovenel Moïse était là, 26 millions de dollars américains. C'est 3 millions qu'elle t'a payé, il faut qu'on paye reste là pour APN. Nous pour qu'on connaisse si monsieur tout impliqué dans tous les présidents pour pas payer l'État. Donc, ça n'est le cas. Il y a des captains de là, mais qui dit garder avec en pile facilité ou accuser de monde, ouais, et sans pour autant gagner dans monde ça qui pas même gagner non cité dans rapport DCPJ qui est même devant la justice, qui trouvait devant la justice. Vidéo là, qui est-ce qui t'a menacé tous les présidents avant le 7 juillet? Est-ce que ça suffit pour accuser le pour affirmatif dans niveau ça? Très bien. Et première bagaille là, qui est-ce qui te menace tous les présidents? Dans tout discours qu'on gagne en archive, le président te dit clairement dans le discours lui que parce qu'il manque un affaire courant, il y aura mort d'homme. Ça même qui te dit, non, le président lui-même pendant le vivant. Hein? Qui est-ce qui mettait ministre de la Justice là pour le bloquer enquête pour pas marier assassin? Ce n'est pas avocat au général Beto Dossé qui te vient protéger, mais qui tue le président et qui te vient renforcer Fantôme 509 dans la police pour Dimitri Vob. Moi-même, j'ai trois oligarques qui clés. Regarde des vidéos 7 juillet à le matin. Guerrier. Peuple a fini marré, soldats colombiens, dans la vidéo, peuple a fait un connaît, peuple a qui n'a rien à dire, ou va chercher boulot sa vob. Vidéo là, oui, c'est sur YouTube, oui. Donc, ça, ou que l'on a remarqué depuis 19 mois, nan, à qui profite le crime au niveau national, pour qu'il y ait des démagogies, des théâtres, que Jijinite qui l'a, Walter Wilson Voltaire, a fait avec six exécutants, yo. Tout gros autobré qui dépensait 20 millions de dollars américains, pour tous les présidents qui financent ces opérations, c'est qu'on ne peut pas gagner la justice pour eux. Personne ne peut pas manger dans le pays d'Haïti. Oligarque Pétionville qui participait dans tous les présidents pour des raisons économiques et politiques, ou pas manger. Ce n'est pas seulement le blocage là au niveau national. Non? Côté Ariel Henry, il mettait 6 membres dans le CSPJ pour saboter l'enquête et saboter le prochain président Capal Binian qui sortit dans l'élection. Ce n'est pas seulement nommer les gens légalement dans la Cour de cassation, contrairement à sa constitution dit. Ce n'est pas mettre des juges, unité juges de l'équipe pour le créer enquête. Ce n'est pas seulement au niveau national. On Stanley, pas pareil à la constitution. Okay? C'est vrai. Depuis qu'il est. Le constitutionnel qu'a fait là. Et, on a une situation là exceptionnelle. Donc, pas pareil à la constitution. Attendez, on compte on dit ça. Depuis nous. T'es pas gagné. Parlement, pas vrai? Donc ça veut dire institution pas en place. Donc nous pas capable aller constitution à la colère. Ok. Ok. Bon, je vais aller le bout encore. Depuis nous venons voter constitution le 29 mars 1987, il y a deux écoles politiques en Haïti. Bon, l'école politique qui a jamais voulu respecter la constitution, qui voulait transition, qui voulait coup d'État, pour aller piller l'État, parce qu'il n'y a pas besoin de mandat à peuple dans l'élection. Et gon deuxième l'école politique qui connaît que dans quelque soit situation qu'il y a pour appliquer constitution. Je vous dis Ariel Henry, oligarque Pétionville, il y a 19 mois à marcher sur constitution pays.
De bon peuple qui vote la constitution, quel que soit le gouvernement qui est passé de 1987 à nos jours, il n'y a pas qu'à mettre la constitution en veilleuse. Hier, nous comprenons clairement à qui profite le crime au niveau national. Au niveau national, ce n'est pas seulement le président qui est assassiné. Non? C'est ça, le président qui est présenté dans le peuple comme espoir. Qui ça a fait? Plus rivière massacre là, qui te prend de l'eau, qui te doit prendre de l'eau dans rivière massacre, qui te commencé pour allouer trois départements géographiques, à regarder les photos. C'est Zeb qui a poussé là-dedans. Ariel Henry, pas continuer le long. L'autre en barrage Marion, mais yo fait exprès, yo prend clé van yo, yo mette au Port-au-Prince pour craser barrage là. Et pour mon premier sens, c'est nèg yo, il a tué président. Central Carrefour, 60 mégawatts là. Qui te doit bailler peuple courant depuis le mois d'août 2021, Dimitri va faire camper lui. Même si elle fait camper, usine tourne faux cap, usine pour des paix qui te doit à l'alimenter 6 communes dans le nord-ouest, elle fait camper lui. Centrale d'Ouéa, qui te moté tout neuf là-dedans, lui fait camper lui. Donc, à motif crime, non, Vinouel, pas même besoin d'entrer dans le gaz là. Dans le gaz là, en 19 mois, nèg yo fait 90 millions de dollars américains dans poche malheureux chaque mois. Yo fait 1 milliard 730 millions de dollars américains en 19 mois sous dos peuple là. Et toujours motif économique criminel. Hein? M'a besoin d'entrer dans prix du riz, prix farine, tout monopole yo c'est oligarque Pétionville qui gagne en 19 mois, nèg yo fait 820 millions de dollars américains dans mes malheureux à malheureux qui dans l'aria. Donc ça c'est au niveau national. Pour y a au niveau international, tout nèg compte qui est-ce qui gagne monopole du riz, farine, huile, c'est même oligarque. Nous avons un motif criminel au niveau national. Ça nous va entrer dans une dignité, cette PHT qui a participé dans tous les présidents et la prière. Au niveau international, nous venons un complot à l'âge. Blanc américain qui impliqué dans tous les présidents, qui a recruté soldats colombiens. Et moi, je suis des petits esclaves créoles qui ne peuvent pas parler de ça, nous-mêmes, et Boussal nous. Esclaves Boussal nous, nous-mêmes. Et. Blanc américain qui est impliqué dans tous les présidents, monsieur le Archangel Pretel, c'est monsieur qui a recruté soldats colombiens pour venir tous les présidents de la Caïnou. Ils ont passé pour l'autre pays, Saint-Domingue, pour venir tous les présidents de la Caïnou. Archangel Pretel là. Selon le journaliste américain David Adams, les Archangel Pretel a organisé et planifié avec associé pour tous les présidents. C'est pour FBI, oui, ça travaille. Qui est esclave créole, vous pouvez parler de ça. C'est pour FBI qui t'a travaillé. Et c'est même FBI ça qui vient prendre 4. Moun qui est impliqué dans tous les présidents. 4 moun qui est impliqué dans tous les présidents. Même FBI qui participe dans tous les présidents, c'est le qui vient chercher 4 moun. Est-ce que FBI, je ne dis pas qu'à la fois, juge et parti. Et faut pas oublier qu'on qui fait aux États-Unis, juge, t'a travaillé sous dossier. Classons paquet de dossiers secrets pour qu'on ne passe pas dans la rue. Je ne dis pas, Américains et OCA alliés, nous, faut qu'ils disent, qui est femme d'un gouvernement américain, t'as tout le président Jovenel Moïse, sans président Biden, avec secrétaire d'État Blinken, pas au courant. Parce que un réseau indépendant d'un gouvernement américain qui vient faire crime là, quand nous, ils ont servi avec un accord de sécurité qui était signé entre secrétaire d'État Albright. Et président René Préval pour faire un bon bagage, Marie-Drogue Dillet, mais pour yoter infiltré la police qui est GPN, pour venir tout le président la caille nous le 7 juillet, ça a quoi ça a été au service. Donc, Américains, ils ont une explication pour yon ban nous, et faut pas oublier que FBI a une histoire dans le pays d'Haïti. Là, ils ont tout le Roger Lafontaine en prison comme ministre de l'Intérieur, un soldat l'armée qui est le Saint-Céléis qui tout le Roger Lafontaine, FBI vient l'aller avec lui pour faire rapport. Soit assassinat, Roger Lafontaine, ou pas, j'en bannou, c'est même bagarre avec Mireille Dion, chez Pétain, et Aristide Kindouil. FBI a mis fait enquête parce que soldats américains sont en Haïti. Nous pas, j'en bannou, résultat enquête là. Donc, au niveau blanc, yo, ou gagne, blanc qui participe dans tous les présidents, hein? Et ou vinoué tout, bon série de, et blanc qui fait partie de l'élite globaliste corrompue, qui besoin vin voler sac en bataille et en ballant mes pays d'Haïti, cuivre, l'or, iridium, gaz naturel, terre rare. Blanc globaliste corrompu ça qui appauvri pendant la pandémie coronavirus. Jean-président Jovenel Moïse a renforcé l'État, renforcé la police.
Si nous venons de contrôle territoire national, nous, blancs globalistes corrompus qui besoin de voler, ça qu'on battait dans le pays à travers l'intervention militaire, pas de capsel. Donc, je vous dis, on voit ou bien parti complot au niveau international, l'organe des capacités intelligence Nations Unies en Haïti. Madame Lali, je ne suis pas capable au courant que vous parlez tous les présidents. Dominique, vous avez une explication pour vous, nous tout. Comment faire Gonzalo Castillo, un homme d'affaires dominicain, by avion pour mener soldats, venir entrer dans le pays, nous venir tuer le président. Donc, 19 mois après, malgré tout blocage, ça, yo, nous comptons clairement à 90-95% qui est-ce qui tue le président. C'est le bagage qui n'a pas des Nations Unies. L'État haïtien a écrit deux lettres. Une 19 juillet 2021, l'autre la 3 août 2021. L'État haïtien a demandé aux Nations Unies un grain de bagaille dans le dossier justice pour le président Jovenel Moïse. Là. Même gens ou même Nations Unies, pour te mettre un tribunal spécial pour enquêter sur l'assassinat du premier ministre Liban, Rafik Hariri, fait même bagaille là pour Haïti, sous pareil moun noir pays d'Haïti. Souré même moun noir pays d'Haïti, mettre un tribunal spécial pour enquêter sur l'assassinat président Jovenel Moïse là. Pour qu'il soit en 19 mois, Nations Unies a fait blocage. Il a parlé d'intervention militaire qu'on pays pas avlé. Il refuse de bailler l'armée à la police pays nous âme pour nous détruire gang. Donc, complot a une composante nationale, complot a une composante internationale. Pour finir, je dis à nous devons abgarder 59e président et 51e législature qui est en place. Pourtant, en 37 ans, au lieu de nous passer 7 présidents, nous passons 17 présidents en 37 ans. Yon chaque 4 mois. Nous passons 24 premiers ministres en 37 ans. Nous passons 6 législatives en 37 ans. Nous passons 9 à 11 gouvernements de transition en 37 ans. Je voulais vous dire, quelle différence qui gagne en matière de démocratie entre Haïti et le Chili? Nous, Chili commence le processus démocratique qu'il y a, même là avec nous-mêmes, après que vous mettez général Pinochet qui était dans le coup d'État à terre. Les Chili n'ont pas crasé l'armée, les Chili n'ont pas dans le coup d'État. Depuis les Chili commence le processus démocratique qu'il y a plus de 30 ans, c'est l'élection qui fait. Différence qui gagne, sont questions de leadership politique, leadership économique. Leadership politique qui sous tête l'État, c'est lui-même, je dis à chaque tête l'État, je dis à c'est lui-même depuis l'élection fin fête 2017 qui montait gagnant, qui a boulé commissariat à la police, il a boulé 15 commissariats, ça veut dire SDP, avec tout le monde qui est sous pouvoir et associé au LIGAC. L'élection démocratique fin fête dans le pays en 2017, c'est eux qui boulé 22 marchés, c'est eux qui boulé 15 commissariats, c'est eux qui boulé 8 tribunaux, c'est eux qui boulé 7 mairies. Jusqu'à ce qu'il vienne tout le président le 7 juillet. Donc, je le dis, question pour poser tête ou dans la réflexion qu'on a fait pour 37 ans de démocratie, qui est n'a nettoyé le pays de parti dans le leadership politique qui a boulé, qui a brisé et qui prend votre peuple. Pour faire le bagage qui n'a pas, c'est votre peuple qui n'a pas. Donc, je le dis, 37 ans après, il a fait bilan ça. Son bilan pour que si moun qui gagne un an koulia, Lelvin gagne 38 ans, il va nan crier, même j'en malheureux à malheureux qui nan la ria. Lè nan fait réflexion ça matin, pour si moun qui gagne 5 ans, c'est pour lèl gagne 42 ans, souffrance qui veille à vivre, j'en j'en dial pas vivre. Donc, l'important que nous font bonne évaluation de leadership politique et économique là, pour nous pas arriver là, et nan 37 ans kap venir. Merci de tout temps ça à Koba, moi, guerrier matin, moi, espérer que moun qui tap tande yo, apprennent nos bagay. Bon Dieu, benou.